Cédric Gamin 59 is now live. Streaming 1 franc 24, 1 franc 24 mode carrière pilote saison 2. Coche le live est online sous la catégorie 1 franc 24, Up Team commence. C'est question de vitesse et d'enchaînement aujourd'hui pour les qualifications au Qatar. Ce test à haute vitesse va déterminer la grille de départ de la course de demain. Soyez les bienvenus. On nous a relégués à la 11e place. Thank you.
Depuis tout à l'heure, je vous parle, mais on n'entend pas ma voix parce que j'avais désactivé le micro. Il va falloir que je ressorte. Vous croyez? Mais c'est pas sûr en fait. Si, c'est sûr même. Oh là, bah alors, bah alors, bah alors, bah alors. Qu'est-ce que j'ai foutu moi? Oh bah. Oh bah j'avais une seule tentative de toute façon. J'avais qu'une seule tentative de toute façon. Donc pas comment j'aurais pu faire mieux de toute façon. Je ne vois pas comment j'aurais pu faire mieux. Allez, on se motive. Allez. Oscar Piastri décroche la pole devant Max Verstappen à la deuxième position. Fernando Alonso partira donc troisième aux côtés de Lando Norris qui lui partira donc aux côtés de nous avec Yuki Tsunoda. Leclerc partira donc sixième devant Albon septième. Sainz et Stroll sur la même ligne en 8e et 9e position. Et Perez pour clôturer ce top 10. Voici le classement pilote, puisque tout est entériné hein, avec les deux courses restantes, celle-là puis celle d'Abu Dhabi qui va arriver dans quelques instants. Yuki Tsunoda est champion devant Max Verstappen. Il peut franchir le cap des 500 points, Max Yuki Tsunoda. Cette saison, Leclerc terminera potentiellement, je dis potentiellement parce qu'il y a bataille avec Fernando Alonso, donc
à voir s'il terminera donc troisième. Pour l'instant, Fernando Alonso est donc quatrième devant Lando Norris, cinquième. Oscar Piastri, sixième devant notre coéquipier, qui malheureusement ne, je pense, à moins que Mercedes est un peu, voilà, mais je pense que Carlos Sainz va vite, vite déjanter et laisser son baquet. Sergio Pérez devant Lance Stroll et Hamilton. George Russell partira donc derrière le top 10 à la 11e position et au classement c'est plus qu'entériné puisqu'il reste deux courses. Donc Mercedes a un champion et un champion pilote et donc champion des constructeurs. On va continuer comme ça puisque de toute façon en soi, quand on était dans le salon, on mettait pas la caméra, donc je pense que on la mettra pas non plus la caméra. Je vais la débrancher tout à l'heure. Et donc voilà, nous sommes en course sprint où il y a 7 tours en course sprint et donc il y aura une deuxième qualif juste derrière. Donc voilà, il faut prendre le temps. On a le temps. Je rappelle qu'au moment où je tourne cette vidéo ce soir, vous avez rendez-vous avec Nico qui vous fera vivre un live sur sa chaîne Twitch. Qui vous fera vivre son live et ce live sera dédié aux personnes en situation de handicap. Et puis pour ceux qui ne savent pas, on a parlé un petit peu et on va en parler parce que ça arrive bientôt là, ça commence dès mardi et on en parlera donc à partir de la semaine prochaine sur toutes les vidéos du mois d'octobre qui sont pratiquement tous déjà tournées, hein. Je ne vais pas vous mentir. Quasiment toutes les vidéos du mois d'octobre sont déjà tournées. Au moment où vous verrez cette vidéo, forcément, c'est que voilà. Donc, ce mois-ci, c'est Octobre Rose, Oubliez les vous arrêts le au stand savez. et la gestion du carburant pour triompher. Allez, on va Après revoir une ce grille de superbe séance de départ. qualification, il est temps de jeter un œil à la grille de départ de la qualif sprint. Oscar Piastri part en pole position et c'est Max Verstappen qui lui envoie du Ouh, pain. et pas. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Fernando Alonso, Norris, Tsunoda. Leclerc, Albon, Sainz, Stroll, Pérez, Russell, Ocon, Hamilton, Magnussen, Gasly, Ricciardo, Hülkenberg, Sargeant, Joe et Théo Pourchaire. Il Alors. est temps à présent de nous tourner vers la piste. Regardez qui nous rejoint. Alors, prenez bien compte que du coup, à la fin d'Abu Dhabi, on fera directement la présentation de saison 3 Et c'est parti, les pilotes commencent le tour de formation avant pour l'extinction commencer des feux donc de cette lundi qualification sprint. ou demain avec Bahreïn et Arabie Saoudite si on fait 24 Grands Prix ou si on en fait 16. À vous de voir. Nous sommes presque prêts pour le départ de cette qualification sprint. Les voitures s'alignent sur la grille, pilotes et écuries s'assurent maintenant que tout est en ordre pour l'extinction des feux. Je vais mettre mes lunettes quand même. Parce que là, on est parti pour un petit moment sur F1. Donc, il va falloir remonter pour aller chercher les points. Mi-temps. Voilà. Alors, durant ce live, vous allez beaucoup, beaucoup, beaucoup entendre mon téléphone sonner. Puisque au moment où je tourne cette vidéo, on est un samedi. Et il y a le match de Chelsea face à Brighton. Et il y a déjà. Voilà. C'est un plutôt bon départ. T'as Alonso qui est venu. T'as Piastri qui est venu s'entériner. La Piastri qui va perdre deux positions. Trois positions au départ parce que Alonso est passé. Et Verstappen est passé. Et nous on est passé par la suite. Attention, il faut tenir maintenant la dragée haute, comme on dit. Alors, Verstappen, ils n'ont plus rien à jouer. Hein. Là, clairement. Mis à part la deuxième place, ils n'ont plus rien à jouer, là, Red Bull. Et ça passe. Va falloir faire une meilleure qualification que ça. Hein. Il glisse un peu là, Lando. Il regomme médium, hein, Lando. Comme tout le monde ici d'ailleurs sur la piste.
DRS autorisé dans ce tour. On peut l'utiliser si on est à moins d'une seconde du pilote de devant dans la zone de DRS uniquement. Il va pas nous lâcher, Max Verstappen, là. Il a plus rien à perdre et nous non plus, hein. Donc là, les courses, entre guillemets, sont pour du beurre, parce qu'on n'a plus rien à perdre. On est déjà champion du monde. Donc on n'a plus rien à perdre. Attention au sous-virage quand tu es dans le sillage de la voiture qui te devance. Sans parler du flux d'air sale qui va affecter tes gommes. C'est de la récupération d'énergie, Fernando Alonso devant nous. Donc ça nous aide un peu. Par contre, ce qui nous aide un peu moins, c'est d'avoir... la Red Bull derrière nous qui nous talonne et qui nous lâche pas. Il faut impérativement tenter de passer Fernando Alonso avant la fin de la course. Il n'y a que cette course, c'est la dernière course sprint de l'année. D'habitude, j'ai pas eu l'impression qu'il y en avait plus que... J'ai eu l'impression qu'il y en avait plus que ça lors de la première saison. Ouais, c'est parce qu'on a enlevé Monaco aussi, hein. Ah, Verstappen qui va avoir le DRS, il va être bien placé. Max Verstappen, meilleur temps de Fernando Alonso. Mais c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Alonso vient de réaliser le meilleur tour en course. Oh, pardon? Normalement oui, mais ça devrait aller. Vous n'aurez pas d'ailleurs, pour ceux qui suivent l'actualité sportive, normalement vous avez, il y a de la moto ce week-end, et normalement avant le début du Grand Prix moto, je vous mets la grille de départ. Pour ceux qui ont loupé la qualification moto. Le problème qui se pose, c'est que là, la MotoGP est plus tard. Il va passer Verstappen, mais on va essayer de garder de la vitesse. Sur Max Verstappen, attention. Ouh là 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 là. Et les deux derrière, là, les deux McLaren qui se battent, ils essayent de venir aux avant-postes. Ça va être peut-être une victoire de Fernando Alonso. Je ne pourrai, malheureusement, je ne pourrai pas aller le chercher aujourd'hui lors de cette dernière course sprint. On aura une qualification pour se refaire, à moins qu'il arrive une catastrophe là pour Fernando Alonso. Mais je ne vois pas comment je pourrais aller le rechercher. Les erreurs. Ne le lâche pas, il peut encore faire une erreur. Pour l'instant, c'est Leclerc qui détient le meilleur tour en course.
Bien, beau travail. Jamais de la vie, ça passe là. Verstappen vient de signer le meilleur tour en course. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Oh joli! Oh la vitesse que j'ai emmenée sur le freinage! La vitesse que j'ai tenté de garder au freinage! Oh là 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 là! Mais je t'aime en fait! Verstappen P2 et nous on va normalement finir P3 si on se fait pas manger sur la ligne droite. Ouais, c'est bon. Attendez, j'arrive du coup.
La course sprint est terminée, mais on se retrouve très vite pour suivre les qualifications et le gros morceau du week-end, à savoir le Grand Prix. À très bientôt. Alors, victoire du coup de Fernando Alonso devant Max Verstappen et Yuki Tsunoda qui prend 6 points et qui passe le cap des 500 points en mode carrière. Norris 4e devant Leclerc, donc 5 pour Norris, 4 pour Leclerc. Piastri en prend 3. Perez en prend 2. Prend 2 points et prend la 7e place. Et donc du coup, Sainz prend un point lors de cette course. Bon, j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais faire. Je crois que j'ai trouvé. Je sais ce que je vais faire. Ça, hop, ça, je vais la ravancer un peu ici pour qu'on la voit bien. Voilà. Là, j'étais en train. Parce qu'en fait, au moment où je vous parle, il faut savoir que je suis. Toutes les vidéos se tournent dans la chambre désormais. Et au mur, donc au mur de tout autour de moi, pardon, il y a des affiches telles que Pokémon, Test Driver ou machin, enfin The Last of Us Part 2, NBA 2K24, F1 24, 2K25 et FC25 et Space Marine et plein d'autres. Et en fait, j'ai la Ferrari de Leclerc donc, que j'ai eu lors de la sortie de la collection qui est toujours en cours d'ailleurs. Et j'ai eu ce matin la Ferrari de Leclerc. Bon, il lui manque un petit bout. La Ferrari de Raikkonen, il lui manque un petit bout parce qu'en fait, j'ai ouvert. Elle est posée sur son socle et elle est couverte par un couvercle. Et en fait, je l'ai ouvert et en la posant, il y a un petit bout de la voiture qui est tombé. Bon, c'est pas grave en soi, ça se voit pas. C'est sur le côté, donc ça se voit pas. Et j'étais en train de réfléchir où j'allais la caler. Parce que bah, ça commence à faire beaucoup. Et puis, vous le savez, vous avez l'habitude désormais de ne pas avoir ma tête sur les lives. Donc, on va continuer comme ça. Et puis, voilà. Donc là, deuxième qualification du Grand Prix du Qatar. Vous le savez, on est en période de week-end sprint. On vient de couvrir la course sprint. Et maintenant, c'est la grille de départ pour la course longue de 20 tours, je crois. Ouais, c'est ça, 20 tours. Et du coup, là, j'étais en train de me dire que j'étais à deux doigts de la simuler. Mais on va la faire quand même parce que c'est important. On va pas commencer à simuler des courses. Quoi qu'on pourrait, hein, en soi, commencer à simuler des courses parce que justement on est champion donc mais j'ai pas envie de laisser filer des points. J'ai pas envie de déjà de laisser filer des points. Dans la vraie vie ils vont pas aller simuler des courses. Donc même s'ils sont déjà champions, ils vont pas aller simuler des courses. Record du premier secteur. Attention, hein, c'est toujours dans les deux derniers secteurs que je perds l'intégralité de ce que je peux amener. Bien prendre les points de corde, aller chercher la vitesse nécessaire. On sait à quel point c'est compliqué d'aller chercher la vitesse de pointe avec la Mercedes. Est-ce que on sera encore chez Mercedes pour la saison 4 la saison 3 pardon. Pour combien de grands prix on sera celle de la saison prochaine. Toutes ces réponses, vous les aurez dans quelques minutes. Tu es tombé à la 13e place. Vous les aurez dans quelques minutes sur YouTube et sur Twitch, parce qu'au moment où je tourne la vidéo, eh ben, on est sur Twitch. Et donc, du coup, sur la ligne, c'est le record du tour devant Norris en 1:24. Je ferai ça après. C'est le record du tour, manque combien? Ah, je perds tout dans le troisième secteur. 24-1, 25-1 dans le troisième secteur contre 24-6.
Carlos Sainz, cinquième, ok. Oh, quoi, ouais. J'ai tout perdu. J'ai perdu. Alors, est-ce que j'ai... Alors. Ah non, c'est qui? Mon coéquipier. Ah non, c'est le As. D'accord. Faux. Bah alors. Le passe. On va se faire gêner. Parce qu'ils arrivent tous plein de bourre en fin de tour. On va se faire gêner là. Je vais pas laisser assez d'écart. Elles sont dures les qualifs, hein. Elles sont très très dures les qualifs. Elles sont très très dures les qualifications. La pole position de Max Verstappen devant Lando Norris et Sergio Pérez. Quatrième et cinquième pour Charles Leclerc devant Carlos Sainz. Oscar Piastri devant Carlos Sainz, non, derrière Carlos Sainz avec la McLaren. Aston Martin. Les deux Aston Martin, Fernando Alonso devant Lance Stroll, pardon. George Russell devant nous, du coup, à la 10e position. Ouais, ça a l'air d'être assez complexe, là, la voiture. Ah, putain. On peut pas prendre des améliorations là. Pas. Je pense pas. Non. Je pense pas. Du coup, est-ce qu'on peut...
Ouais, on peut, mais... Attendez, juste fermer la porte, qu'ils sont en train de jouer dans le couloir. J'ai pas envie que vous entendiez les booms. Ouais, je pense. Sois tranquille. Sois tranquille. Je suis serein. Bienvenue au Qatar sur le circuit international de l'Ozaï, un tracé bien connu des spécialistes des courses de moto. Mais ce soir, ce sont bien des F1 qui vont l'emprunter, dont celle de Lewis Hamilton, qui visera une nouvelle victoire ici. Et nous revoici à l'Ozaï sur un circuit long de 5 380 km. Vu du ciel, il ressemble à une sorte de trident, comprenant 16 virages et une seule zone de DRS à la sortie du virage 16. C'est un circuit rapide avec une zone de DRS qui constitue une bonne opportunité de dépassement entre la longue ligne droite et le virage numéro 1. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position, accompagné de Lando Norris qui s'élance de la deuxième place. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Pérez, Leclerc, Sainz, Oscar Piastri, Fernando Alonso, Stroll, Russell, Tsunoda, Ocon, Ricciardo, Gasly, Magnussen, Hülkenberg, Albon, Hamilton, Sargeant, Théo Pourchaire et Guanyu Zhou. L'extinction des feux est imminente, voyons qui sortira du lot aujourd'hui. Avec moi dans la cabine de commentaires aujourd'hui, un homme que je tiens en très haute estime, Jacques Villeneuve. Si on jette un œil sur sa... Et À c'est la parti, prochaine course, on Piastri va un petit s'élance peu pour le tour zapper de des essais libres, formation je pense, et l'excitation est à son comble dans les pour tribunes aller plus alors vite. que le départ de ce Grand Prix est imminent. Quelle écurie réussira à sortir vainqueur aujourd'hui? Quelle stratégie s'avérera gagnante? Nous allons vite le découvrir, alors restez avec nous. Les monoplaces rejoignent leur emplacement sur la grille et chacune des écuries espère désormais que sa stratégie s'avérera payante pour la course. La question est maintenant de savoir qui a pris le pari gagnant et qui repartira déçu aujourd'hui. Vous savez quoi? Je vais couper ma voix parce que là je suis, vous l'entendez pas, mais je suis pas tout seul et voilà, j'ai besoin de dire des choses
qui regarde pas forcément live, donc je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve à la fin. Tu peux maintenant utiliser le DRS. DRS disponible. Tu risques de subir du sous-virage en restant dans le sillage de la voiture de devant. Essaie de la dépasser dès que possible. La manœuvre de dépassement était beaucoup trop agressive. Fais plus attention ou on écopera d'une pénalité. La piste est dégagée, drapeau vert. Remarque de légers dégâts sur l'aileron avant. Ne prends pas de risque jusqu'à ce qu'on le répare. Il ne faut pas que ça empire. Super car, Marc.
I'm sorry, je suis désolé, I'm sorry, mais la voiture is not traction. Finalement, personne n'a réussi à freiner. Et Alors, voici nos vainqueurs du jour. je suis désolé, mais la voiture avait aucune traction. Les IA, deux fois, ils m'ont mis dans l'embarras. J'ai recommencé pour voir si c'était moi qui avais un problème. Et c'est pour ça que je me suis légèrement, par ma volonté, mis dans le mur pour abandonner le Grand Prix du Qatar parce que je savais très Après une bien course comme celle-ci, comment deviner qui va que. remporter le championnat? Alors soyez au rendez-vous Je pour suivre savais le très bien prochain Grand Prix à nos que. côtés. Voilà. Je savais très bien que le Grand Prix du Qatar allait être une catastrophe. Donc, on a zappé le Grand Prix du Qatar. Mais voilà, c'est comme ça. T'as pas l'envie aujourd'hui. Ouais, c'est pas que j'ai pas l'envie, c'est que on est en fin de saison, qu'il n'y a plus rien à jouer, donc honnêtement, c'est pas grave. Salut, je suis ravi de t'annoncer que toutes nos nouvelles pièces ont été produites sans aucun problème. La voiture sera donc prête pour le week-end de course. J'ai envie d'aller chez Red Bull en plus. Là, il est plus que temps là. Il est plus que temps de tirer parti de ce qu'on pouvait. Possible. Allez, on va se motiver un peu là. Je vais chercher ma bouteille de jus, ça va me motiver. Parce que là, je suis en train de faire n'importe quoi avec la carrière et ça, c'est pas le but. J'arrive. Alors après, c'est ça aussi qui fait que on est en fin de saison. On n'a plus rien à jouer là, clairement. De toute façon, c'est à Abu Dhabi, donc dans tous les cas, que tu fasses minime ou pas minime, c'est à Abu Dhabi, donc dans tous les cas. Dans tous les cas, c'est minime ou pas minime. À l'heure où je joue.
Ouais. À l'heure où je vous parle, Cole Palmer a quintuplé pour Cole Palmer! Mais oui! Mais Cole Palmer, je t'aime! Cole Palmer, je t'aime! Ouais. On va faire ça. Ensemble, on pourra essayer de travailler un peu et puis comme ça, on apprendra les circuits un petit peu. On va commencer par la gestion des pneus. Pardon. Ouais. Ouais, non, mais je sais pas. C'est juste que là, j'étais en train de m'endormir. Garde à ton accélération en sortie de virage. Il faut que je trouve un truc pour me rebooster là parce que j'étais en train de me dans. Oh, le Qatar, ça a été une catastrophe, hein. Le Qatar, j'ai recommencé deux fois, je me suis fait pousser comme je sais pas quoi au Qatar. Ouais, Leclerc et Alonso, là, en plus, les Aston Martin, elles ont la meilleure voiture du plateau en cette fin de saison. Alors, c'est très très compliqué d'aller les chercher. Heureusement qu'on est déjà champion et qu'on devait pas jouer ça à Abu Dhabi parce que. C'est quoi la prochaine étape? Ben, la prochaine étape, c'est de mettre des LED. Je sais pas ce que vous voyez ce que c'est, les rubans LED. C'est de mettre des LED pour Programme terminé. Beau travail. mettre des On a LED obtenu des pour que ça infos fasse plus beau, précieuses. mais Rentre au garage. Je vais te je montrer sais le pas si je résultat. prends 5 ou 10 mètres. Je sais pas si je prends 5 ou 10 mètres. Puis déjà, faut que je trouve à moi un endroit où je peux les brancher déjà. Je pense que je vais appeler la curatrice lundi pour savoir si je peux avoir Ne t'inquiète pas pour les gommes. Donne tout ce que tu as. un petit Pendant ce supplément test, là. on veut pouvoir boucler nos tours aussi vite que nos adversaires. Parce que ils m'ont mis la figurine pop de Marvel Spider-Man. Ils me l'ont mise de côté alors que j'ai absolument la chercher la semaine prochaine. Bah alors. Ah, je vous l'ai dit, hein, Qatar, c'est pas ma tasse de thé.
Ouais, c'est terrible parce que là on va se faire gêner par Magnussen. Pourquoi t'as basculé tout côté gaming dans la chambre? Bah pour être tranquille, tu vois, puis pour laisser les volets du salon ouvert. Et puis comme ça, moi je suis tranquille, il n'y a personne qui voit. Hop là, bah ouais, bah forcément. On n'a pas atteint les objectifs du programme. Forcément. On analyse les données. S'il nous reste du temps, on relancera le programme. De toute façon, il nous reste une séance, donc dans le pire des cas, t'as envie. Bah, t'as envie de chocolat? Parce que tu dis t'as envie, ça peut faire peur aux abonnés, hein. En plus, tu fais ça, tu fais t'as envie. Ça peut paraître suspect, hein. Le t'as envie, ça peut paraître. Oh, je vais rush demain. Je vais essayer de. Alors, demain ou demain et lundi, je vais essayer de rush un peu rival et. Maintenant que j'ai entamé et que j'ai fait ma première win. En fait, c'est des points. En fait, il faut 15 points pour. Les récompenses hebdo. Donc en gros, c'est simple, c'est 3 points par victoire. Donc si vous enchaînez les victoires, ça va quoi. Page d'équipe, c'est un peu moins, un peu plus difficile, enfin non, c'est pas qu'ils ont changé le gameplay en fait, c'est juste qu'ils essayent de favoriser un peu les joueurs pro et de favoriser ceux qui jouent en ligne, c'est-à-dire que maintenant vous avez au lieu de 32 matchs, vous en avez 14 si vous comptez les deux équipes de la semaine. Et c'est sûr, c'est plus compliqué quoi. Ça vous pousse à aller. Il y a un joueur argentin là, à faire dans les SBC. Dans les objectifs, je vais le faire, mais j'avais envie de rouler aujourd'hui. C'est vrai que j'ai pas fait de valo. Il va falloir qu'on y retourne sur valo là. Demain, peut-être. Un matin ou demain après-midi en fin de journée. Non. Alors pour ce programme, vous cassez pas la tête à faire les 5 tours. Hein. Vous en faites 3, ça vous donne 50 points, enfin 50. Après, ça sert à rien de faire plus. Parce que de toute façon, si vous faites les 2 tours qui restent, ils les comptent pas. Donc là, c'est un peu le travail de la stratégie en course. Et c'était un petit peu voulu que je booste un peu, que j'aille pas en piste lors de la première séance. Pour justement faire un gros 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 travail sur la deuxième séance. Parce que oui, il me faut des points de ressources. Parce que oui,
potentiellement on va être chez Mercedes la saison prochaine. Donc il faut impérativement essayer de développer cette voiture, quoi. S12. Théoriquement, la séance d'essai libre 3, tu peux la faire. Théoriquement, la séance d'essai libre 3, tu peux la faire en rapide. Il reste plus que deux trucs à faire. Comment tu fais pour avoir toutes tes affiches? Je demande à Micromania de me les garder et il me les garde, voilà, tout simplement. Et c'est pour ça que j'ai pu me faire un petit coin cuisine, on va dire, un petit coin tranquille. Avec, je préfère préciser au cas où, c'est pas parce que j'ai deux Ferrari que je. J'étais fan de Ferrari à l'époque, la très vieille époque, hein, à l'époque de Raikkonen Vettel, Leclerc aujourd'hui. Je suis très content de voir Leclerc chez Ferrari. Encore plus, parce que bon, je charrie un peu Ferrari, mais faut savoir une chose, c'est que je suis fan de la Scuderia. Red Bull aussi. Voilà, j'ai deux écuries. En parallèle, bien évidemment, mais ma plus grosse écurie, ça reste Red Bull. Mais en parallèle, je suis les résultats de Féfé, donc. Mais même si j'étais pas fan de Féfé, c'est pas parce que vous n'êtes pas fan d'une écurie que vous n'avez pas le droit d'acheter des voitures. En plus, c'est des Les voitures essais de. sont terminés et le moment est venu de nous dire au revoir. Mais nous C'est des voitures de collection. Des voitures de collection. Donc c'est pas tous les jours qu'on a ce genre de voiture à disposition. Donc là j'essaye de Kimi Raikkonen et celle de Leclerc. Et peu importe ce qu'on va me dire, j'en suis fier de les avoir. Et je suis fier aussi d'avoir toutes les affiches que j'ai aujourd'hui et tout ce que j'ai pu avoir pour faire de cette pièce un endroit vivable. Bon, alors c'est sûr qu'il y a le lit, hein, pour le lit. Mais ça, malheureusement, je peux pas le, hein, je peux pas l'enlever, le lit, malheureusement. Ça, le lit, c'est quelque chose qui m'aide à dormir, donc forcément je peux pas le bouger. Donc en fait, ça fait un petit coin gaming avec ma console, ma télé qui sert aussi de télé pour le soir, du coup quand je regarde la télé le soir. Et tout autour, alors je peux pas vous montrer maintenant parce que bon, il y a mon armoire de vêtements, donc je vais essayer d'acheter une barre à rideau et je vais mettre à rideau, comme ça au moins si jamais un jour on veut activer la caméra, vous verrez pas. Il y a mon lit, puis tout autour. Sauf derrière moi parce que j'ai encore un mur, voilà. Mais sinon, devant moi, où il y a la télé, derrière, il y a un mur rempli d'affiches et sur mon côté gauche aussi. Donc j'attends, je dois encore avoir deux, trois affiches. Je pense que celles que j'aurai, je vais essayer de les mettre, je vais essayer de voir avec une auxiliaire pour me les mettre. Je vous l'ai dit à quel point il était important de faire les essais libres. Malheureusement, quand vous avez une qualification sprint, eh ben, vous n'avez qu'une seule séance. Donc vous ne pouvez pas travailler à 100%. Mais il est important, quoi qu'il advienne, comment dire, d'apporter. Bon, Carlos Sainz, il est là. Nous, on va essayer d'aller là. Là, peut-être. Sur le châssis, hein, il veut absolument que j'aille là, quoi. D'accord, je comprends mieux. Il veut absolument qu'on aille là. Et il n'y a pas moyen qu'on aille ailleurs, vu que Sainz est en train de développer le châssis. Mille de non, là, il en manquera. Moteur. Moteur, on doit encore avoir deux améliorations moteur qui doivent arriver dans 10 jours. Enfin, dans 2 jours et dans 10 jours. Là, là, là. Après, pour développer la durabilité, c'est plus compliqué. Renommée 60, ok. Ouais, donc là, on n'a pas le choix, en fait. 1002.
Ouais, je pense que on va prendre là du coup. Alors, voyons voir. R&D en cours. Donc Tsunoda, deux moteurs aéro et Carlos du coup châssis. Ok. Bon, ça va nous pousser un petit peu, c'est bien. Ça va nous booster un petit peu. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à Abu Dhabi pour le jour le plus rapide de la semaine, les qualifications du samedi. Qu'est-ce qui s'est passé au Qatar? Eh ben, au Qatar, alors c'était indépendant de ma volonté, je préfère préciser. C'est que en fait j'ai lancé la course, tout s'est bien passé et malheureusement bah, je n'ai malheureusement pas réussi à doubler. Et je me suis accroché avec Charles Leclerc. Donc j'avais perdu déjà la voiture, j'avais cassé la voiture. Donc j'ai recommencé la course et là rebelote quoi. J'ai recassé la voiture. J'avais cassé mon aileron en tamponnant Fernando Alonso et du coup voilà. Du coup vu que j'avais plus d'aileron, ça a été très compliqué de tourner dans les virages et comme j'étais à pleine vitesse, j'ai pas pu emmener la voiture jusqu'au garage pour changer d'aileron. Donc maintenant nous sommes à Abu Dhabi, nous sommes durant les qualifications, la dernière séance de qualification de cette saison avant de se pencher vers la saison 3. Je rappelle que le jeu est sorti le 31 mai et que il nous a fallu un petit peu plus de 3 mois pour arriver en saison 3. Est-ce que on va rester chez Mercedes? Est-ce qu'on va rompre notre contrat chez Mercedes pour aller signer ailleurs? Est-ce qu'on aura d'autres demandes? D'autres écuries, la réponse bien évidemment dans quelques minutes. Restez bien à nos côtés. Est-ce que Ferrari viendra nous demander de rejoindre son écurie? Est-ce qu'on restera pour une année supplémentaire chez Mercedes? Toutes ces réponses, bien évidemment, vous les aurez dans quelques secondes, dans quelques instants même, après les résultats de Abu Dhabi. Bon bah je crois que là tout est dit hein, la messe est dite comme on dit chez moi. La messe est dite comme on dit chez moi. Ce soir, au moment où je tourne cette vidéo, ce soir, vous avez rendez-vous avec F1 Nico 260 pour un 100%. Alors pas sur ma chaîne directement, mais pas sur ma chaîne directement, mais je le mettrai en chaîne de suggérés. Comme vous le savez, hein, vous avez le replay du live et vous avez une chaîne en suggérés. Quand je suis pas en live, eh ben, je le mettrai en chaîne de suggérés. Comme ça, vous aurez plus qu'à aller sur ma chaîne et vous aurez bien évidemment son live directement. Vous avez juste à cliquer et vous rejoindrez son live. Quant à moi, bah, du coup, comment dire, lundi, on commencera du coup les premiers épisodes de la saison 3 avec Bahreïn et Arabie Saoudite. Et YouTube, vous, au moment où je tourne cette vidéo, vous êtes que au Texas. Donc ça veut dire que Twitch, à l'après, Twitch, nous on tourne des épisodes à l'avance. Je crois qu'on a une semaine d'avance par rapport à YouTube. Pour l'instant, on est troisième. Ah ouais, chaud. C'est parce que j'étais pas à fond, je pense. J'espère que vous allez bien quand même. Ouais,
Oh non. C'est bon. Hein? Qui c'est qui a réussi à se planter pendant les qualifs? Salut, salut! Bah, le problème, c'est que je pense qu'avec Nico, on n'a pas les mêmes réglages, donc je peux pas aller rouler. Merde. Voilà, je vais tout perdre, voilà. À troisième temps, mais ça suffira pas. Ça suffira pas pour aller chercher Fernando et Max Verstappen. Il est déjà temps de se quitter, mais on se retrouve dès demain pour une course qui s'annonce Ah, passionnante. sept Alors soyez au dixième. rendez-vous, on compte sur vous. Ah ouais, chaud. 721 millième de Verstappen. Ouais, c'est plus serré, on va dire. Pole position de Max Verstappen devant Fernando Alonso et Yuki Tsunoda. Charles Leclerc partira donc quatrième aux côtés de Norris. Cinquième. Stroll et Gasly 6 et 7. Sainz partira donc huitième. Piastri et Sergio Perez partira donc dixième. Le classement quasi final, on va dire, puisqu'il reste une course. 500 points de marqué pour ma part avec Mercedes, pardon. 125 points d'avance sur Max Verstappen. Et pourtant, je sais qu'on a fait que augmenter les IA tout au long de la saison. Vous l'avez vu, hein, comme quoi augmenter les IA, ça peut aider aussi. Max Verstappen est potentiellement en train de finir deuxième. Il y a une bataille entre Fernando Alonso et Charles Leclerc pour la troisième place. Il y a également une bataille entre Fernando Alonso et Lando Norris pour la quatrième place. Piastri est très loin, donc Piastri, lui, à mon avis, terminera devant Sergio Perez. Perez est en grand, 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 grand danger pour sa septième place. Si Carlos Sainz venait à marquer plus de points que Perez, il passerait devant. Et après, devant en soi, il n'y a pas de 119. Ouais, Hamilton ne pourrait pas finir devant Stroll, quoi qu'il arrive. Ouais, donc en gros, le plus gros des batailles, c'est devant, quoi. Là, on a Oscar Piastri qui pourrait. Voilà, il terminera donc forcément. Loin devant son coéquipier, il y a une bataille pour la troisième place. C'est-à-dire, prenez vos crayons, prenez un papier, écrivez. Il n'y a pas bataille de toute façon devant, ça c'est indéniable, parce que 2380 et 300, 274, pour moi, Verstappen terminera donc deuxième. Par contre, il y a bataille entre Leclerc, Fernando Alonso et Norris, puisque Leclerc 274, de Fernando Alonso 266 et Norris 264. Donc, il y a bataille. Donc, on a déjà le champion du monde, hein, c'est moi, avec 505 points. Et donc, il y a bataille pour la troisième marche du classement des pilotes aux constructeurs. Donc, bah, il n'y a pas bataille, hein, forcément, parce qu'on a 116 points d'avance. En revanche, il y aura bataille entre Aston Martin et la Scuderia Ferrari. Donc, si
Les Aston finissent devant Ferrari, c'est Aston qui finira devant. À l'inverse, s'il y a une Aston qui abandonne mais que les deux Ferrari terminent devant, l'Aston qui reste, c'est Ferrari qui terminera devant. Et à l'inverse, donc s'il y a une Ferrari qui abandonne mais que les deux Aston terminent devant les deux, la Ferrari qui reste, Ferrari terminera devant Aston Martin. Ensuite, bah, il n'y a pas bataille hein, là, entre McLaren. Je crois que le top 3, il est entériné. Hein. Mercedes est champion déjà depuis le Grand Prix le dernier Grand Prix. Chelsea vient de terminer son match et vient de pulvériser Brighton 5-2. Donc voilà, ça c'est fait. Et puis voilà quoi. Bon bah ça c'est fait. Je finis ça et après je vais juste faire les trucs sportifs. Du coup. Ah ouais, ils étaient chauds là, Ah pardon, 4-2. Ouais, j'ai mal un peu là, mon lombaire. Alors, on se fait vieux. Hein. C'est le dernier chapitre de cette saison et nous sommes en direct de l'incroyable circuit de Yas Marina. S'élancer en pole position ici n'est certainement pas synonyme de succès. Lors des quatre premières éditions du Grand Prix d'Abu Dhabi, seul un pilote est parvenu à convertir sa pole position en victoire. Tenez-vous prêt pour la bataille à venir, le Grand Prix d'Abu Dhabi va commencer. Le circuit de Yas Marina comporte 5,3 km de piste, 16 virages et deux très longues lignes droites. Deux zones de DRS situées au virage 5 et 7 promettent un festival de freinage et de dépassement. Le circuit recèle également plusieurs virages vicieux qui mettront à rude épreuve les capacités de freinage de nos pilotes. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position et Fernando Alonso complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Tsunoda, Leclerc, Norris, Stroll, Gasly, Sainz, Oscar Piastri, Pérez, Ocon, Russell, Ricciardo, Hamilton, Hülkenberg, Joe, Albon, Sargeant, Théo Pourchaire et Kevin Magnussen occupent la dernière place sur la grille. Les feux vont bientôt s'éteindre, alors jetons un œil à la piste où les préparatifs battent leur plein. Pour m'accompagner en cabine de commentaire, Jacques Villeneuve. J'ignore si ça vous fait le même effet, Jacques, mais j'ai l'impression qu'on commentait la première course de l'année la semaine passée. Et voilà que nous en sommes déjà au dernier Grand Prix. Cette saison est passée à toute vitesse. Oh oui, et une saison comporte pourtant un paquet de courses en Formule 1. Vous êtes bien placé pour le savoir, Julien, puisque vous les avez toutes couvertes. Tout est allé très vite. On a à peine eu le temps de trouver son rythme de croisière qu'on est déjà à la fin de la saison.
Si tout s'est bien passé, c'est un moment agréable qu'il faut apprécier. Enfin, s'il n'y a plus rien à jouer au classement, évidemment. Ou au contraire, si le titre est déjà assuré et qu'on peut profiter à fond de cette course avant la trêve hivernale. Mais si on a vécu une mauvaise saison, il faut essayer de se rassurer lors de ce dernier Grand Prix, de finir sur une bonne note pour prendre confiance en vue de l'année suivante. Oh bon, on va la jouer tranquille alors. Est-ce qu'apparemment il faut la jouer tranquille, on va la jouer tranquille. Les voitures débutent le tour de formation sur une piste ensoleillée. Il sera intéressant de voir si les conditions météo auront un impact sur la durée de vie des pneumatiques aujourd'hui. Tellement fier. Partout son gomme et jump. Nous sommes quasiment prêts pour le départ. Alors que les monoplaces s'alignent sur la grille, pilotes et écurie n'ont plus que quelques instants pour s'assurer que tout est en ordre avant l'extinction des feux. Qu'est-ce qu'ils ont mangé en même temps, Aston Martin, ils ont la meilleure voiture du plateau. Sans DRS. Sans DRS. Fais gaffe, Alonso, je suis à l'extérieur. Oh oh oh. Oh magnifique. Alors là, fallait y aller. Hein. Fallait oser. Parce qu'à cet endroit-là, fallait y aller. Hein. Ouais, je suis tranquille alors. Le DRS va être autorisé dans ce tour. Tu peux l'utiliser si tu as moins d'une seconde d'écart avec la monoplace de devant dans la zone de DRS. Pom 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 pom. Venez comme vous êtes. Ils ont la meilleure voiture du plateau en même temps. Ils ont la meilleure voiture du plateau, donc bon. Il y a une rivalité, il y a une égalité dans la rivalité. Attention à ce que ça se termine pas en pugilat là, entre Max Verstappen et Yuki Tsunoda. Pour l'instant, tout va bien, on est devant. Hein. Pour l'instant, tout va bien. Mais tout n'est pas fini encore hein, dans ce Grand Prix. Dans ce dernier Grand Prix de cette saison 2 qui aura duré un petit peu moins d'un mois parce que forcément... On fait deux grands prix par saison. Lando Norris qui vient de reprendre à l'instant le meilleur tour. Lando Norris qui profite hein, de cette bataille avec entre Max Verstappen et Fernando Alonso pour se rapprocher un petit peu plus du peloton, du trio de tête,
Norris qui, non, Norris qui a 2 secondes 3 du leader. Ça, s'il pouvait y aller. Oh, si les deux pour... oh, si les deux pouvaient se toucher. Et c'est Verstappen qui est passé. Oh, Verstappen, attention. Hein. La fusée Verstappen. Eh non, Alonso est repassé. Hein. Il a la meilleure voiture du plateau. Là, ça, c'est ce genre de combat que j'aime bien. Parce que du coup, ça me permet déjà un mois de... bah, de me pousser dans mes retranchements. Je me dis, il y a possibilité que, tu vois. Et je me dis, je peux. Beau travail, tu viens d'établir le meilleur tour de la course. Je peux faire quelque chose de fort. Et je peux deviner. Enfin, alors. L'objectif, bien sûr, c'est d'atteindre les 500 pour l'instant. Donc, petit à petit, hein, sur YouTube. N'hésitez pas à aller à vous abonner à YouTube, hein, si ce n'est pas déjà fait. Parce que, bah, on a un objectif. Et n'oubliez pas non plus de rejoindre mon serveur Discord. Ouais, ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien. Demain, c'est dimanche. Je crois que je vais être tranquille. Là, je... je finis ça, là. Je... pour l'instant, tout va bien. Mais... Norris, ok. Norris est passé sur l'audio. Excusez-moi. Oh bah alors. Ah, malheureusement, ça suffit pas. Hein. On verra la fin de la course, mais malheureusement, Fernando 4e, Leclerc 5e, ça suffit pas. Attention de pas la perdre, nous, par contre, là. Parce que là, c'est pas Fernando Alonso qui est derrière nous, c'est... Verstappen connaît bien ce circuit. C'est là qu'il a remporté son premier titre. Si Norris pouvait faire nos affaires là, ce serait l'idéal. Ouais, mes pneus sont yaout. On va jouer tranquille. Sois tranquille. Je suis pas serein. Je vous dis honnêtement, je suis pas serein. Parce que on sait jamais ce qui peut se passer en un Grand Prix. Vous le savez tout autant que moi. Vous en avez eu l'expérience depuis 2 saisons maintenant. Et on sait à tout moment qu'on peut la perdre. Regardez au Grand Prix du Qatar ce qui s'est passé. Donc... je suis pas serein, pour l'instant on a 2 secondes 2 d'avance, donc on va essayer de garder cette avance. Mais voilà quoi, on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Oula, on a complètement loupé le point de corde là. Les deux là, les deux qui reviennent comme des balles. Hein.
les deux qui reviennent comme des balles. Oh, Norris qui est passé sur Verstappen. Allez-y, battez-vous. Moi, ça m'arrange. Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand. Tu chausseras des gommes dures. Je pense qu'on est tous en gomme médium, hein. Je pense, ouais. Prochain Grand Prix, c'est Texas. Dans la réalité, bien sûr, je parle. Et si là, pour le coup, avec l'aide de Norris, il est en train de se battre, Lando Norris, il est en train de se battre avec Fernando Alonso. Et dans la vraie vie, en gros, là, il reste 6 courses à couvrir en Formule 1 dans la vraie vie. Enfin, dans le réel, plutôt. Et si Verstappen termine toutes ses courses à la deuxième place, et que Norris ou Piastri remportent, ça ne suffirait pas à Norris ou à Piastri de terminer d'être champion du monde. Par contre, pour constructeur, ça risque d'être un peu plus compliqué du coup, parce qu'on a pas mal de, mais après voilà, on sait pas ce qui peut se passer en Formule 1. La preuve en est, c'est que on était en tête des deux championnats au final. On a perdu la tête du championnat constructeur. Donc, on va rester concentré. On va surveiller, bien sûr, les performances de Charles Leclerc. Parce que ça a toujours été un pilote que je surveillais de près. Avant l'arrivée de Verstappen. Ok, Yuki. C'est bon. La piste est dégagée devant nous. Alors, profitons-en pour faire un tour rapide. Je vais pas me cacher, hein. Avant l'arrivée de Verstappen, j'étais fan de Leclerc. Hein. Je vais pas me cacher. Maintenant, Verstappen, il est là. Verstappen... Sois tranquille. Oh là 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 là. Viens, rentre à la fin de ce tour. Aïe. Juste 2 secondes, j'arrive tout de suite. J'arrive. Silhouette de buste nouveau follow, S, cœur rouge et rond en PSN 129 cœur rouge, bienvenue. 342 followers. Plus 1. Ah, c'est vrai. Oh non, on dirait qu'il y a un problème avec l'une des roues arrière de la Mercedes. L'écurie va être grandement déçue.
Ah bah voilà, ce qui devait arriver arriva. Essaie de ménager tes pneus, l'objectif est de finir la course avec ses gommes. Ouais, je peux pas redonner. Là, il va falloir éviter que je reparte. Gomme plus fraîche. Je perds du temps. Pourquoi mon retour image il s'est fermé là? Mon prochain c'est la Red 9. Ah d'accord, Théo pour cher. Comme ça je me mettrai en l'air. En live en même temps sur YouTube et en même temps sur TikTok. Les pneus ont l'air en bon état. Ok Yuki, on consomme moins de carburant que prévu. Alors appuie sur la pédale pour alléger la voiture sur la fin de course. Mais tu rigoles ou quoi? Je suis à fond. Bien sûr. Confirmé. Carlos est au stand. Oula. Hé. Bien évidemment.
Oula. Oh. À mon avis, je pense qu'on va pas le réussir, hein, cet objectif-là. Il se passe quoi là? Bah à mon avis, il y a dû y avoir une bataille entre il y a dû y avoir une bataille et du coup Verstappen Norris en a profité, je pense. Parce que là, ou alors Verstappen s'est loupé. On n'a pas été à la hauteur jusqu'à présent, c'est clair. Mais rien n'est joué. Redouble d'efforts et concentre-toi sur la fin de la course. Que la soirée c'est une bonne, je sais pas. Oula. Parti loin lui. Parti à Bubblewet. Ça,
au championnat. Ça peut coûter cher à la Scuderia Ferrari. 4 et 5 pour Aston Martin. Ça peut coûter cher. Ouais, à mon avis, là, ça va se jouer au point et au nombre de victoires. Attention, hein, Leclerc il est en sursis là pour la cinquième place. On va entrer dans le 16e tour de ce dernier Grand Prix de la saison. Ça peut vous paraître long. Je vous assure que ça ne l'est pas. Quand c'est de la bataille, pour l'instant, il y en a hein, de la bataille. Je suis qu'à 2 et j'ai que 2 secondes. Hein. J'ai que 2 secondes d'avance hein, sur Max Verstappen. Ça peut aller très vite. Ça peut très très vite basculer. Surtout en Formule 1. J'avais 2 secondes, je suis plus qu'à 1 seconde 5 d'avance. Ça peut aller très très vite en Formule 1. Ok Yuki, les temps autour sont irréguliers en ce moment. Essaie de trouver ton rythme de croisière. Ça peut venir chercher la... Ouais, allez-y, continuez les deux. Norris, Verstappen... Et voilà, on repasse sous la barre des 2 secondes. Norris Verstappen, acte 5, parce qu'on les a déjà vus. Hein. Ces deux pilotes au début de la dans la carrière, cette saison. Chapitre suivant, là, entre Norris et Verstappen. Et là, pour le coup, les résultats d'Aston Martin et de Ferrari n'aident pas beaucoup, là, clairement. Allez, la bataille continue entre Lando Norris et Max Verstappen, comme dans la vraie vie. Un coup toi, un coup moi. 17e tour. 17e tour. Sur 20. Il en reste 4 à tourner. Dans cette saison 2. Et vous aurez toutes vos réponses à votre question. Est-ce que je vais rester chez Mercedes? Normalement, oui. Hein, il n'y aura pas de soucis particuliers, je pense pas. Est-ce que je serai encore avec Carlos Sainz pour la saison 3? Est-ce qu'il y aura des changements de pilote? Est-ce qu'il y aura des départs à la retraite? Je rappelle que vous aurez toutes ces informations-là. D'habitude, on fait une vidéo en expliquant ce qui vous attend pour la saison suivante. Là, on va la faire à la fin de ce Grand Prix. Comme ça, vous serez un petit peu fixé. Et attention, parce que cette bataille entre Lando Norris et Max Verstappen aide Alonso à revenir. La preuve en est, c'est qu'Alonso est passé sur Max Verstappen. Norris également est en train de se faire piéger par Fernando Alonso. Je rappelle que Aston Martin, à ce stade de la saison, a la meilleure voiture du plateau. Donc Alonso, à tout moment, peut passer deuxième. Et voilà, c'est fait. Alonso passe deuxième et passe Verstappen et Norris. Pour l'instant, Norris reprend l'avantage. Attention, cette bataille qu'elle va terminer, attention, hein. Je pense que si Fernando termine deuxième, c'est Ferrari qui sera malheureusement derrière Aston Martin. Attention, le mur, on est allé frôler le mur sur la ligne droite. Me demandez pas comment j'ai fait, mais attention, là il faut rester concentré, il faut pas se fier à ce qui se passe au classement. Faut rester concentré, il reste 2 tours. 3 tours même, donc restons concentrés. 3 secondes 2, c'est pas mal ce qu'on est en train de faire là. On va aller chercher de gros points. Quelques infos au sujet d'Alonso. Il rencontre un problème mécanique. Est-ce que ça va déclencher une safety car? Je ne pense pas. Mais Fernando Alonso qui rencontre des problèmes mécaniques, ça pourrait aider Ferrari. Ouais, regardez Alonso qui est en train de chuter. Hein. Fernando Alonso qui est en train de chuter. Est-ce que Leclerc peut tenter d'aller chercher Fernando Alonso? Ah, Fernando Alonso qui a des gros 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 problèmes là. Qu'est-ce qui se passe pour Fernando Alonso? Et là Fernando, du coup il revient. Hein. Il avait fait le plus gros du travail en venant se positionner sur le podium. Pour l'instant, le podium qui se dessine, c'est bien sûr Tsunoda après sa désillusion au Grand Prix du Qatar. Et là, est en train d'aller assigner sa victoire ici à Abu Dhabi.
merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites aujourd'hui, et merci du fond du cœur d'être présent. Merci à Nico, à F1 Nico, d'être là, présent pour moi, même si bon, c'est pas évident, hein, il aimerait en faire un peu plus. Bon, il fait ce qu'il peut, et il fait déjà bien assez pour que ma communauté soit grande. Donc merci à lui, merci à toutes celles et ceux qui se sont abonnés, et merci à toutes celles et ceux qui continueront de le faire. Je précise qu'il y aura, bien sûr, on sera encore là, eh oui, parce qu'il est déjà temps d'en parler, on sera encore là en 2025, on sera là pour Octobre Rose, donc qui commence mardi, on sera là pour, alors à partir de mardi, ce serait un live, alors pas le week-end bien sûr, mais un live où on sensibiliserait. Donc les jours de live, hein, lundi, mardi, mercredi et vendredi, où on sensibiliserait, où je sensibiliserai ma commu à Octobre Rose. Et puis on sera là pour le Téléthon, bien évidemment, sur les 30 heures du Téléthon, les 29 et 30 novembre. Et puis on sera encore là en 2025. On sera encore là en 2025 avec toujours le même rythme de vidéo, avec la F1, la moto, enfin la F1, le foot. Il y aura quoi? Il y aura des jeux d'histoire, il y aura plein de choses. On testera un test driver, ne vous inquiétez pas, je sais que vous avez été nombreux à me le demander, on testera. On a testé des jeux plus, mais on testera, voilà. Il y aura du Valo encore. D'ailleurs, il faut qu'on tourne les épisodes de la semaine prochaine sur Valo. Mais. La semaine prochaine, je pense qu'on aura du coup un Grand Prix. Enfin, non, deux. Bahreïn et Arabie Saoudite, du coup. Mais voir par quoi on le remplace, du coup, Monaco. Ou est-ce qu'on met le retour de Monaco? Ouais. Bon, bah, victoire. Ouais, bah, on a perdu là des radars. Attention, parce que là, du coup, on va voir ça. Hein. Victoire. Dernière victoire de la saison. Drapeau à damier est sorti et la foule acclame Yuki Tsunoda qui l'emporte. Magnifique victoire aujourd'hui pour la dernière course de la saison. Quand on l'emporte de cette manière, on conserve l'énergie de la victoire pendant toute la trêve hivernale. Et c'est important car toutes les écuries sont nourries pour développer la meilleure monoplace possible dans l'optique de la saison suivante. Je vois les pilotes s'approcher du podium pour la remise des prix. C'était une véritable victoire d'équipe aujourd'hui, un bel exemple sur tous les plans. Toutes nos félicitations à Mercedes, les grands gagnants du jour.
Eh ben dis donc. Eh ben dis donc, bah dis donc, bah dis donc. Ça va, il reste 20 minutes avant 19h. Ouais. Attendez, j'arrive. Oui, c'est avec son 183 qu'il n'est pas abonné. Mais bon. C'est. Je sais pas. Bon, voilà. Hein. Voilà. Ça, c'est fait. Ainsi s'achève cette magnifique saison. Je sais que certaines et certains d'entre vous sont tristes à l'idée de devoir se passer de Formule 1 pendant quelques mois. Mais ne vous en faites pas. La F1 sera de retour très vite. On vous dit à l'année prochaine. Donc, on termine cette saison 2 par une victoire avec le point du meilleur tour, même si on était déjà champion. Verstappen termine donc deuxième et terminera donc certainement deuxième du championnat constructeur, pilote, pardon. Charles Leclerc et Norris devant Charles Leclerc quatrième. Stroll et Alonso 5 et 6. Alonso a tout perdu à cause de ses problèmes mécaniques, pardon. Piastri et Perez 7 et 8. Sainz et Pierre Gasly, pardon, à la 10e position. 9 et 10 pour Pierre Gasly. 9 pour Sainz et 10 pour Gasly. Au classement, le voici, le classement final de cette saison 2 avec Tsunoda avec ça. 131 points. 133 points d'avance sur Max Verstappen. Charles Leclerc termine donc troisième de ce classement. Ça s'est joué à rien. Si Lando terminait devant, à mon avis, Lando passait. Termine donc sur le podium devant Lando Norris et Fernando Alonso. Pareil, hein. Si Fernando Alonso avait terminé devant Norris, à mon avis, voilà. Piastri termine donc cette saison 2 à la 6e position devant Sergio Perez à la 7e. Notre coéquipier termine avec 135 points d'avance, donc plus de 300 points d'avance, plus de 300 points marqués par Yuki Tsunoda aux dépens de Carlos Sainz. Donc, bon, bah, ça a été clairement la pilule pour Carlos Sainz chez Mercedes cette saison. Lance Stroll est donc, termine donc la 9e place de ce classement devant deux Britanniques, Hamilton devant George Russell, 10 et 11. Logan Sargeant avec 26 points termine à la 2e position. Esteban Ocon et Nico Hülkenberg 14 et 15. Pierre Gasly termine donc à la 15e position. Guanyu à la 16e position devant Albon 17e. Magnussen termine 18e devant Ricciardo 19e. Et Théo Pourchaire avec 0 points pour Théo Pourchaire cette saison. Le classement constructeur entériné depuis un petit moment, vous l'avez vu. Mercedes est donc champion du monde des constructeurs pour la première année consécutive. La première année, puisqu'en saison 1, en saison 2, c'était pas eux. Donc Red Bull termine donc deuxième avec 544 points. McLaren termine donc troisième devant Aston Martin. Aston Martin termine devant la Scuderia Ferrari, mais pour très peu de points. 4 et 5 du coup, Aston devant à la 4e place, devant la Scuderia Ferrari à la 5e place. Visa Cash App termine à la 6e place avec 51 points. Williams termine donc 7e de ce classement constructeur devant Alpine avec à égalité de points, à égalité de points. Haas termine donc 9e et Sauber. À la Sauber
termine donc 10e avec 18 points. Voilà, nous venons de clore cette saison 2. On va parler de la saison 3 sur cette vidéo. Et comme ça, demain ou au plus tard lundi, on commencera à tourner les épisodes de la saison 4. Attention, parce que ça peut aller vite. Et voilà. au moment où je tourne cette vidéo, vous êtes qu'au Texas avec sur YouTube. Donc, forcément. Allez, événement contrat. Ah. Non. Je veux pas renouveler. Tu peux pas? Ouais. On entame la deuxième saison avec Mercedes. Donc il nous en reste une, quoi. Je trouve ça long, moi. Je pense qu'on va faire 16 grands prix en vrai. Alors, les statistiques de cette saison 2, saison complète, forcément. 16 victoires, 12 poles. 531 points marqués, classement championnat premier, distinction gagnée plus 2, note pilote plus 6 et renommée plus 4. Voilà. Je pense qu'on va faire 16 grands prix en vrai, hein, parce que on est qu'en saison 2. Là, vraiment, ça devient long. Ça devient long. 24, c'est trop long. Je pense qu'on va faire 16 Grands Prix, en vrai. 16 Grands Prix, ça donne quoi? Bahreïn, Australie. Bahreïn, Australie. En gros, ouais, je pense. Hein. Regarde, par exemple, demain, tu peux faire Bahreïn, Australie. Ça fait déjà 2. Japon, je l'avais dit, hein, les deux premières saisons, j'avais dit, les deux premières saisons seront à 100% et on passera à 16 courses à partir de la saison 3. Donc ça va aller vite, hein, pour qu'on ait plus de... Hop, 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 hop. Alors, mais non, attends. Ça, si tu fais ça. Ah putain. Cana. Autriche.
Excusez-moi. Oh, bah, dis donc. Ah, on n'irait pas à Bahreïn. Waouh. Alors ça, ce serait... On n'irait pas à Bahreïn. On ferait Australie, Japon, Chine, Canada, Espagne, Autriche, Hongrie, Belgique et Pays-Bas, Monza, Texas, Mexique, Portimao. Et Abu Dhabi. Ouais, c'est ça. Donc en gros, à partir de cette saison 3, on partirait sur 16 grands prix, ça irait plus vite, ça nous ferait ouais, ça nous ferait plus de saisons déjà. Et ça nous permettrait déjà de voir venir, déjà pour essayer de changer d'écurie. Alors, c'est sûr, ça va être court. Ça va être très court, c'est sûr. Mais c'est long, en fait. C'est très long. Donc, on commencera en Australie, on ira au Japon. Ah ouais, mais j'ai pas envie d'aller au Japon. J'ai pas envie d'aller au Japon, j'ai envie d'une saison plutôt cool. Voilà. Voilà, j'ai envie d'une saison plutôt cool. Plutôt chill. Voilà. J'ai envie d'une saison plutôt cool. Alors, Bahreïn. Ensuite, on va en Australie. Ensuite, on va en Chine. Ensuite, on va au Canada. Ensuite, Espagne. Donc ça ferait demain, si on a le temps, au moment de cette vidéo, dimanche, du coup, on ferait Bahreïn, Australie. Lundi, on ferait Chine, Canada. Mardi, Espagne, Autriche. La semaine d'après, Hongrie, Belgique. En vrai, après, je fais ce que je veux. Hein. Voilà. J'ai fait deux saisons pleines où j'ai pris pas mal de plaisir à faire deux saisons pleines. Mais c'est vrai que... C'est vrai que moi, ça me... C'est mieux. Franchement, c'est mieux. Châssis, non. Aucun. Voilà. Voilà. Donc, à partir de cette saison 3, bon, ça va aller très vite. Hein, si vous calculez, on fait deux grands prix par vidéo, donc ça va aller très vite. À partir de cette saison 3, donc, qui commencera donc au moment où je tourne cette vidéo demain. D'accord? Donc là, on arrive avec des améliorations. C'est sûr que ça va être plus rapide du coup, mais... Toutes les nouvelles pièces ont été produites et ta voiture en bénéficiera dès le prochain Grand Prix. Donc là, on a gardé les mêmes pilotes, je pense. Alors, mais on va... Mercedes, ça bouge pas. Red Bull, ça bouge pas. Ah, si, ça a bougé chez As. T'as Oliver Berman qui est arrivé. Alors, est-ce qu'on a un mail? Est-ce qu'on a un ouais, transfert pilote. Alors, transfert pilote pour la saison 3 à venir, donc à 16 Grand Prix. On a Magnussen qui passe chez Visa Cash App pour remplacer Ricardo.
et Oliver Berman pour remplacer. Ricardo ne roulera plus et donc il sera remplacé par Kevin Magnussen. Et donc il a fallu trouver un remplaçant à Kevin Magnussen et c'est donc nul autre que Oliver Berman qui prendra le relais. Nous, il nous reste encore, je crois, une année, toute cette saison 3 plus la saison 4, avant de se pencher un petit peu plus. Et vous allez voir que normalement, si je ne m'abuse, les saisons seront plus courtes et les saisons seront plus intenses, forcément. Je sais que ça va pas forcément plaire à beaucoup de personnes que je passe de 24 à 16 Grands Prix, mais voilà, j'ai. On va mettre ça au conditionnel, mais d'autres projets à côté de ça. Donc, j'avais annoncé pour ceux qui étaient là dès la première saison, j'avais dit que les deux premières saisons elles se feront à 24 Grands Prix, ce qui a été le cas, parce que ça s'est fait à 24 Grands Prix, et du coup, maintenant on peut voir venir tranquillou bilou. Vous allez voir que ça va aller très vite par contre. Parce que comme on tourne deux épisodes sur deux jours, enfin un épisode, deux épisodes sur deux jours, si vous faites les calculs, ça va aller très vite. Parce que là, déjà on commence demain avec Bahreïn et Arabie Saoudite. Lundi, Chine et Canada. Mardi, Espagne, Autriche. Donc on aura une pause en Autriche. Après, on aura Belgique, Hongrie et Belgique, Pays-Bas, Monza, Azerbaïdjan, Texas, Mexique, Brésil, Portimao et Abu Dhabi. Ça va aller très très vite, mais c'est justement pour que ça aille très vite. Alors, pas que je suis pressé de terminer les saisons. Et que je n'aime plus rouler, loin de là. C'est juste que à côté de ça, j'ai une carrière, j'ai peut-être l'envie de me dire voilà, si on va à minima jusqu'à la saison 5, ce sera on va dire le. De toute façon, si on venait à l'avenir à faire un My Team, c'est-à-dire qu'on arrêterait totalement la carrière pilote et qu'on ferait un My Team. Je pense qu'on partirait pas en bas de l'échelle. Je pense qu'on partirait au milieu en fait. On aurait déjà la voiture un peu plus compétitive. Ça, c'est à prendre bien sûr au conditionnel. Et puis honnêtement, 24 Grands Prix, c'est long. Surtout quand vous calculez 24 Grands Prix sur deux jours. Enfin, c'est 24 Grands Prix avec deux Grands Prix sur deux jours, donc les lundis et mardis. Donc, là, 16 Grands Prix, ça va aller plus vite. On aura plus de saisons à faire et on aura plus de suspense surtout. Parce que là, on entame une deuxième saison avec Mercedes et on va commencer petit à petit à essayer de venir me titiller, à venir me chercher, puisque normalement, si je ne m'abuse, mon contrat se termine bientôt, en fait. Et du coup, mon contrat se termine bientôt. Du coup. Je pense que
Vous pouvez réviser votre contrat avant le début de la saison. Et du coup, mon contrat se terminerait quand alors? Essaye pour voir. Essaye pour voir. Ouais. Non. Non, non, je prendrais pas ce risque en fait. Parce que. Je prendrais pas ce risque. Alors, renommée. Le problème, c'est qu'on voit pas. Pardon. Alors. Le but, ça va être de déjà essayer de travailler un gros maximum sur la voiture, même si la saison va être courte. Et voilà, le but, ça va être de prendre le temps qu'il faut pour avoir plus de saisons possibles. Et j'avais, je rappelle pour les nouveaux, précisé que les deux premières saisons allaient être pleines, c'est-à-dire à 24 Grands Prix, et qu'à partir de la saison 3, on passerait à 16 manches. 16 manches est équivalent à 16 Grands Prix. Maintenant, je sais que ça ne va pas forcément plaire à tout le monde le fait que je fais 16 Grands Prix au lieu de 24. Ça nous enlève quelques Grands Prix. Mais c'est pour en faire plus et pour pouvoir faire autre chose à côté. C'est-à-dire que je peux très bien vous dire, on tourne les deux premiers épisodes demain. Et puis la suite la semaine prochaine. Et puis vous mettre un petit peu plus d'LC25. Et puis vous mettre un petit peu plus d'autres jeux. Test Driver, normalement, ne devrait pas tarder à arriver. Quand j'aurai les moyens, bien sûr, de l'acheter. Et puis voilà. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est là-dessus donc que cette vidéo va se terminer. Donc la saison 3, si j'ai le temps et si j'ai la forme, commencera donc demain au moment où je tourne cette vidéo. Voilà, saison 3 en cours désormais, encore une deuxième année avec Mercedes. Vous allez voir que 16 Grands Prix déjà, c'est, vous allez voir, je le sais parce que je l'ai déjà vécu. 16 Grands Prix, c'est comme si il y avait de la bataille quasiment à tous les Grands Prix. Donc vous verrez bien. C'est là-dessus donc que cette vidéo va se terminer. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve très vite. Je vous laisse avec les chaînes en suggéré. N'oubliez pas, ce soir, au moment où je tourne cette vidéo, vous avez rendez-vous avec Nico qui vous accompagne pour un live sur Spa-Francorchamps, un Grand Prix à 100%. Ciao, ciao. Bonne soirée à vous et à très vite. Ciao.